L'ambiance est festive ici à la cité de Mbazangungu, précisément à l'entrée de la route principale qui mène à la cité sainte de Nkamba. Des fidèles venus de partout embarquent à bord des véhicules personnels et des transporteurs. Invités, officiels et fidèles kimbanguistes vont célébrer avec faste ce mardi 6 avril 2021 le centenaire de l'existence de l'église kimbanguiste. Pour un événement voulu grandiose et d'une grande portée spirituelle, l'ensemble des fidèles et sympathisants kimbanguistes disséminés à travers le monde et ceux vivant dans toutes les provinces du pays ont accepté de braver tous les obstacles. La route menant à la cité sainte de Kamba, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, n'empêche pas les adeptes kimbanguistes d'assister à cette grande fête. Même le chef spirituel n'a pas été épargné par les mauvaises conditions du tronçon Mbazangungu-Kamba, long de près de 75 km. Son éminence papa Simon Kimbangu Kyangani a passé des heures, bravant parfois des bourbiers impressionnants pour atteindre le site festif. À son arrivée, sous les ovations des fidèles, le représentant légal de l'église kimbanguiste a demandé aux fidèles de réserver un accueil chaleureux et inconditionnel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la présence est déjà annoncée ici à travers des banderoles et calicots placés le long du sentier qui mène à la cité sainte. Donc, oui, ça va, 1921, y'a moins d'un jour qu'on s'en vient, hein. Pour que la citadion se mouvra à l'île. Oui, papa. L'homme, il y a papa, conti. Au banal, il y a un héros. Voilà. Oui, 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 oui. Le programme des activités commémoratives du siècle de l'église kimbanguiste prévoit également l'inauguration du musée Simon Kimbangu par le président de la République. Plusieurs autres activités socio-culturelles sont également annoncées jusqu'au 30 décembre 2021.